Amérique Connée, il est né en 1976 à Sanafredougou. Sanafredougou, c'est dans la région du Folon, département de Kaniasso. Il est né de père et de mère ivoirien, hein, paysan et ménageur. Connée Mamery, il a fait son école primaire donc à Sanafredougou. Son cursus secondaire à Minia et à Odiené et terminé ses études universitaires en prépa à Yamoussoukro et à Abidjan en sciences économiques. Alors, ensuite, Koné Mamery a suivi, comme tout le monde, un cursus normal, son enfance normale, hein, baignant dans l'amour de son papa et de sa maman. Mais en même temps, grandissant avec les vicissitudes du moment, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. On s'est battu, on s'est forgé toute une personnalité. Mais en même temps, on a été éduqué à la sauce du madingue. Le respect de l'aîné, le respect des valeurs religieuses, bercé donc de l'amour du père et de la mère, mais en même temps, de l'amour des siens. Alors, donc, Koné Mamery a été chef de cabinet, a travaillé à l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, Koné Mamery a créé des entreprises depuis donc 2013. Et donc, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Koné Mamery est marié, il est père de 4 enfants. Des merveilleux enfants qui me donnent tout l'amour qu'il faut. Alors, c'est mon carburant, ce sont mes raisons de vivre, quoi. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Et donc, Koné Mamery, le voici, comme on peut le dire d'une manière succincte. Patron d'entreprise, mais aussi patron de presse. Oui, patron de presse, le sursaut. Le sursaut est édité par une régie publicitaire qu'on a appelée Line Communication depuis 2014. Donc nous existons sur le marché avec des fortunes diverses, mais avec les difficultés que connaissent toutes les entreprises de traite de Côte d'Ivoire, le sursaut est en train de faire sa mue. Donc on est en train de basculer au numérique et ça va de mieux en mieux aujourd'hui. On est sur le marché, on existe et on garantit des emplois. Et il y a une passion dans ce domaine. PDG de Jamiroquai, c'est quoi? Alors, Jamiroquai Holding, nous évoluons essentiellement dans le BTP, dans l'assurance, le transit, la publicité, le courtage en assurance, voilà. Nous faisons donc le BTP, tous les grands travaux routiers. On a la confiance, Dieu merci, de l'État et de ses partenaires, de ses démembrements. On faisait l'électrification rurale, on construit des ponts et on construit des routes pour le bonheur des Ivoiriens. On répond à l'appel donc du président de la République qui a bien voulu que des Ivoiriens et des jeunes Ivoiriens s'intéressent à l'entrepreneuriat. Une manière pour lui donc de ressouder le tissu économique. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 100 employés que l'entreprise a. Et ça se passe comme dans toutes les autres entreprises. On se bat au quotidien. On se bat pour que le pays qui a tant souffert se relève, mais se relève avec ses enfants.